May I have your attention, please? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? Bonjour, je suis Bruno de Intuitive Instruments, anciennement Dualo. De Dualo, c'est quoi? C'est un synthétiseur, un looper multipiste et un contrôleur en même temps, tout dans une petite boîte, 8 heures d'autonomie, avec comme particularité un nouveau clavier qu'on a inventé, qu'on a breveté, qui est un clavier qui est extrêmement puissant parce qu'il range les notes par tierces et qui permet de ne pas avoir besoin de connaître le solfège pour s'amuser avec le Dualo. Le Dualo, c'est un petit peu le chaînon manquant entre la guitare, un instrument populaire qu'on emmène partout, et l'ordinateur qui permet plein de possibilités de la synthèse sonore avec plein de sons et puis en même temps d'enregistrer et de créer des morceaux complets. Nous, on a voulu un instrument qui est entre les deux, qui s'emporte partout donc, qui est très léger, qui fait 600 grammes et qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir créer de la musique. Donc, il y a plein de sons. Alors c'est très simple, j'ai un écran, j'ai un bouton qui me permet de sélectionner des sons et puis ensuite je vais pouvoir avec le bouton du milieu enregistrer en fait des boucles sonores que je vais pouvoir empiler, et après une fois que j'ai fait toute cette matière sonore, je vais pouvoir jouer avec, arrêter des pistes, relancer des pistes, faire des breaks, etc. Il y a un multi-effet qui me permet de modifier mes sons et de les enrichir. Une fois branché sur l'ordinateur, du coup on a accès à toute la mémoire interne, on peut créer ses propres banques de sons avec des samples. On va pouvoir exporter aussi les musiques qu'on a composées dans le Dualo et les mettre, les exporter vers des DAW comme Ableton, comme Logic, comme Cubase. En MIDI par exemple. Et puis ensuite le dernier aspect du Dualo, c'est qu'on a inventé une sorte de jeu vidéo, une méthode interactive avec un coach vocal, donc le prof de Dualo est directement intégré là-dedans, et on se base sur le principe d'apprendre à savoir jouer des styles de musique. Donc on veut jouer du reggae, on veut jouer de la techno, du breakbeat, du hip-hop, du Miami Bass, de la trap, ce genre de choses. On va avoir un coach qui va nous aider, qui va nous accompagner, qui va dire voilà, on va commencer par la batterie, attention, écoute bien le rythme, on a les lumières qui s'allument. L'idée c'est qu'il faut jouer en même temps que les lumières. Et puis le Dualo reconnaît si vous avez bien joué ou pas, comme sur un jeu vidéo. Et du coup, ça va vous permettre de scorer et d'avancer dans le morceau. Et le coach va vous accompagner pour jouer toutes les parties, la batterie, puis la basse, puis les claviers, puis etc., etc. Pour à la fin gagner des étoiles, débloquer des nouveaux sons et avoir le droit d'aller découvrir de nouveaux styles. Et voilà. Et bientôt, on va pouvoir travailler avec, des musiciens connus. En fait, le principe, c'est qu'un musicien connu va prêter sa voix, et donc on va pouvoir apprendre à jouer avec un musicien connu qui va être le coach, votre coach, pour apprendre à jouer tel ou tel style de musique. Bravo, tu viens de réussir le hip-hop. Ok, pour finir, tu vas faire un peu de scratch avec mon vinyle. Ça se passe sur ces trois touches, regarde bien les lumières. À toi de jouer.